va aller reprendre de la concentration. Parce qu'en gros, je n'en ai plus. J'ai hors de question qu'on aille au palais comme ça. Oh. Écoute, je veux bien que j'ai affronté trois démons de malades descendus carrément des enfers, mais non, je tenterai pas ma chance comme ça, quoi. Merci pour les 2000 pièces, parce qu'on en a, on va en avoir besoin dans pas longtemps. Ah ouais? Pourquoi? Tu comptes essayer de soudoyer Maître Lee? Non, pour vous acheter... Savez, en fait, je crois que je préfère ce travail à l'ancien. La voix du moine. 50 de chi. Qui donne 50 en chi, et c'est ce que je vais prendre. Oui, tu me donnes 50 000. Oui, je vais mettre toutes mes économies dedans. Ouais. C'est pour ça que tu l'as gardé très précieusement, tes économies? Oui. Ceci explique cela. Comme quoi, ça sert toujours, hein. Ouais. Et voilà, j'ai assez de... J'ai plus de chi que le reste, mais au moins, je pourrais me soigner convenablement. Par contre, contre Maître Lee, je pense que je vais éviter d'utiliser la frappe de chi. Parce que si je l'utilise, en fait, j'aurai plus de chi après. Vaut mieux garder tes... Pour les soins, je pense. Ouais, je pense aussi. Alors, nous sommes en face de nos compagnons. Je re-sauvegarde parce que j'ai pas envie de tout refaire. Donc on parle à chacun d'entre eux. On va commencer par, évidemment... Voilà, merci. Tout a tellement changé. L'Empire de Jade n'est plus celui que je croyais connaître. Comment Maître Lee a-t-il réagi lorsque tu lui as annoncé que j'étais sa fille? Tu n'as rien dit à ce sujet, tu veux pas mais savoir. Ton silence est révélateur. Il ne t'a pas cru, n'est-ce pas? Écoute, inutile de s'apesantir sur la question, il n'est plus rien pour nous. Bah, de toute façon, on n'est plus rien pour lui non plus, hein, donc je vois pas pourquoi... C'est ça. Je ne peux pas encore m'y résoudre. Oh, il y a ouais, toujours de l'espoir, gentille, il le faut. Même en dépit de toutes les décisions douloureuses que nous avons dû prendre pour arriver jusqu'ici. Ce que Maître Lee a fait est impardonnable. Nous devons rétablir l'ordre et réparer le mal qu'il a causé. Tout le monde connaîtra mon courroux, mais Ming, t'as rien de mieux à dire. Restera-t-il encore du temps pour nous deux quand tout sera... quand tout ceci sera terminé? Faut-il vraiment poser la question? Bien sûr qu'il restera du temps. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quand tout sera revenu à la normale, nous pourrons reprendre nos vies d'avant. Enfin, ce ne sera pas parfait, je le sais. Mais j'en viens même à regretter le simple chagrin qu'éprouvent les mortels. Notre séjour chez les dieux a engendré des douleurs plus grandes encore. Restera-t-il du temps pour nous? Je le souhaite plus que tout. Ciel étoilé? Nous sommes bien loin de la ferme que j'appelais autrefois ma maison. Oh, c'est mieux. Jamais je n'aurais pensé faire une telle pérégrination. Ben, nous non plus, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc c'est bon au niveau du... Ça a l'air, oui. Okay. Votre maître est un adversaire redoutable. Nous ne pouvons pas laisser l'Empire entre ses mains. Je détruirai tous les obstacles que je rencontrerai sur mon chemin, mais t'es malade ou quoi? T'as pas vu ce que ça a donné avec les démons? Non. Certaines décisions n'ont pas été faciles à prendre. Oui, si on partir alors que on aurait pu rester aux deux fleuves, enfin... Y a pas mal de choses qui n'ont pas été faciles à décider, hein. Mais ouais. Je sais pas si on dit ça ou bien si on lui dit... La une, c'est hors de question, je te dis ça. La deux me semble pas mal quand même. On va lui dire la... Ouais, on va être honnête. Certaines décisions n'ont pas été faciles à prendre. Je vous aiderai à porter ce poids. Et je ne sais pas à quel point je pourrais vous être utile. Mais si, t'es utile, si elle est étoilée. Raconte pas d'anneries. Je resterai à vos côtés. Une fois que nous serons venus à bout de toute cette corruption, l'Empire de Jade prendra un nouveau départ, mon ami. Tout à fait. Préparez-vous, nous allons bientôt partir. Je serai prêt, vous pouvez en être sûr. C'est quand même chouette, hein. Ça fait un effet shonen, mais je trouve que... Tu sais, avec l'amitié et tout ça. Mais ouais. C'est sympa, je trouve. Oui. Je sais pas comment... Il n'est pas de mauvais goût. Ouais. Il n'est pas surjoué, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Princesse? Tout ce en quoi je croyais a volé en éclats. Une chose après l'autre. J'espère que tout sera bientôt fini.
Oh, je suis triste pour elle. Les péchés de ma famille doivent être expiés. Alors seulement, l'Empire pourra retrouver sa gloire d'antan. Enfin, ta cousine, elle a rien fait, tu remarqueras. Hein. Non, mais je pense qu'elle parle de... Oui. De Sun Li, de son père. Par contre, il y a un truc que j'aimerais que tu... Enfin, que tu vois. Tu le verras pas forcément, mais... Enfin, tu verras. C'est comment elle sera en tant qu'impératrice. Parce que... Normalement, techniquement, maintenant qu'elle... si on bat Sun Li, il restera plus qu'elle. Oui. Donc, voilà. J'ai pris des décisions difficiles pour arriver jusqu'ici. On dit ça aussi? Ouais, on peut. Après, c'est un peu... nombriliste. C'est-à-dire? C'est à cause du G, surtout. C'est... Il inclut pas tout le monde, en fait. Il inclut lui dans les décisions qu'il a pris. Ah oui, tu parles de, du fait que si l'étoilé a dû choisir entre nous trahir et... C'est ça, après on a dit à Ciel étoilé comme quoi il y a eu des décisions difficiles, donc ça incluait lui, ça incluait nous, ça incluait peut-être tout le groupe, etc. Là, ça t'inclut vraiment que toi. Bon, bah on va lui dire préparez-vous, je vous donnerai le signal. Mais après, c'est peut-être la mieux quand même, parce que l'autre, la dernière est vraiment froide, mais c'est vrai que ça implique en fait que toi. Bah, je sais pas, alors parce que la 1, ça me plaît pas non plus, quoi. Aucune des 3 ne me plaît réellement. Bon, bah on va dire la 2. Il y en aura d'autres. Ne laissez pas le poids de vos choix obscurcir votre jugement. Elle est quand même sage, hein, n'empêche. Oui. Je serai là, à observer vos faits et gestes. J'espère que vous ferez les bons choix pour l'Empire et pour son peuple. Je ne laisserai ni l'un ni l'autre être à nouveau traîné dans la boue. Préparez-vous, je donnerai le signal du départ. N'ayez crainte, je serai prête. Tu vois, tu n'aimais pas la princesse au début, mais réellement, elle est plus profonde que ça. Hein. Faut dire, elle était pédante. Peut-être qu'elle a été habituée ainsi, hein, aussi. Oui. Les mecs se prosternaient devant elle directement, il n'y avait pas de réponse vraiment très franche. Hein. On est les premiers à être comme ça avec elle. Donc ça, à mon avis, ça doit lui changer quelque part. Sauvegarder. C'est très bien. Merci. On va garder le meilleur pour la fin. Très franchement, la voix mélodieuse de ma femme commence à me manquer. Quoi ? Par rapport à vous autres. J'ai hâte de voir le jour où nous pourrons revenir à une vie plus simple. Bien que cela ne me paraisse facile pour personne. Tu sais que quand, si jamais tu... Bon, ça c'est... On le fera pas, c'est pour ça que je spoil. Si tu l'assujettis et que tu lui dis que t'es désolé, il te sort une réponse qui m'a tué. Du style, j'accepte vos excuses, bien que je suis pas sûre que vous les pensiez vraiment. Ah, cette réponse m'a tuée. C'est dégueulasse hein, de les assujettir tous rien que pour faire ce que tu veux, mais réellement, l'ironie de la phrase m'a fait rire. C'est clair. Tu m'étonnes. Je commence à apprécier le fait d'être chef, oui, bien sûr, Mink. Je vois ce que vous voulez dire. Espérons que nous arriverons tous à rentrer chez nous. Oh, pour moi, ce sera facile. Je n'ai qu'à tendre l'oreille et écouter le vent. Un jour ou l'autre, il portera jusqu'à moi les cris de ma femme. J'espère que tout le monde a une voix aussi dégagée et une arrivée plus pacifique. Quelque part, tu te demandes s'il regrette vraiment de ne pas voir sa femme ou pas. Je ne sais pas. Tornade noire, mon grand. Le calme avant la tempête, c'est un ennui. Et si on attisait un peu le feu qui couvre, histoire de gagner du temps? Non. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Du calme, l'ami. Le combat aura lieu dans peu de temps. Préparez-vous. Je suis toujours prêt parce que j'ai mes points avec moi. Si jamais je les perdais, rater un combat, c'est le cadet de mes soucis. Tu m'étonnes. Mieux vaut prendre ses précautions.
Kang, donne-moi un bol de vin, que je puisse tenir avec des moignons. Les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre? Ah, ça, c'est une idée qui mérite d'être creusée. Tom, j'aime... En fait, où le soumis, Kang le fou et Tornade Noire, c'est mes préférés. Tu m'étonnes. Bien que réellement, j'ai quand même comment je vais expliquer ça? J'ai une préférence pour Fleur Sauvage quand même. Ouais, elle est bien, Fleur Sauvage, elle est toute mignonne. Oui. Rebonjour. C'est à moi que vous voulez parler ou au gardien? Ah bah à toi évidemment. Bien sûr. Comment vas-tu, Fleur Sauvage? Dis-moi tout. Je vais mieux, merci. Vous avez renvoyé l'autre en un lieu où il ne peut plus me faire de mal. Vous en avez fait autant pour moi que le gardien et... Et je ne l'oublierai jamais, quoi qu'il arrive. Si les choses... Si ça se passe bien, j'espère qu'un jour, quand je serai grande, on pourra se revoir et être amis. Que penses-tu de ce qui s'est passé ici, Shaika? As-tu un conseil avisé pour le combat? En fait, toutes les réponses sont bien. Que ressens-tu dans cet endroit, Fleur Sauvage? Cet endroit est vieux, si vieux. Il y a des voix dans les pierres, et chacune d'elles essaie de commander les autres, mais aucune n'écoute. C'est comme si elles n'avaient que la parole. Elles sont condamnées à n'entendre que leur propre voix, condamnées à un éternel monologue. Je crois qu'elle parle du combat entre les impériaux et les moines. Elle pourrait devenir moine de l'esprit, je pense. Qui sont-elles? Que dit Shaika? Ce n'est qu'une... Non. Qui sont-elles? Je ne sais pas. Elles ne disent rien. Elles ne font que crier. Les morts se sont rassemblés ici, ainsi que d'autres endroits de l'Empire. La chute de la forteresse du Seuil les a livrés à eux-mêmes. À présent, toute source de pouvoir les attire. En ce lieu, ils sont écrasés par le pouvoir qu'a usurpé l'Empereur. Il ne reste que leur esprit... Il reste de leurs esprits que des bribes auxquelles Fleur Sauvage est pourtant sensible. En fait, Fleur Sauvage a beaucoup de points communs avec Étoile de l'Aube, en fait. Hein. Oui. Énormément. Pouvons-nous faire quelque chose pour eux? Non, il n'y a rien à faire pour eux, hormis réhabiliter la bergère qui les guidera vers la réincarnation. Il est impossible d'aider ceux qui sont déjà morts. Nous devons nous concentrer sur les vivants. As-tu un conseil avisé au sujet du combat à venir, Shaika? Non, vous avez subi assez d'interférences de ma part et des autres. Vous feriez mieux d'écouter le message de cet enfant qui vous dit « Faites votre devoir, mais soyez heureux. » Oh, c'est trop gentil. C'est trop gentil, quoi. Prépare-toi, on part bientôt. Le gardien dit qu'il sera à vos côtés quand vous aurez besoin de lui. Oh là là. On a bien fait de la sauver de cette horreur, hein. Moi je dis ça. Oui, c'est sûr. En fait, Fleur Sauvage fait partie d'un de mes... C'est une de mes persos favorites, en fait. Tu m'étonnes. Où le soumis et Tornade Noire, c'est plus pour la comédie, tout ça. Il y en a un que j'aimais bien aussi, c'était Zou la Visée. Oui. En fait, tous les persos, ils ont chacun leur charme. Oui, voilà, Ciel étoilé, Étoile de l'Aube, la princesse, Kang le fou, enfin... Ils sont tous géniaux, en fait, hein. J'ai beau dire que j'ai mes préférés, mais je les aime bien tous, en fait. On a tous quelques-uns où, en fait, on se sent plus proche d'eux que d'autres, enfin, c'est... Oui. Mais après, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, hein, s'ils sont tous au même niveau, après. Est-ce que tu as un personnage favori parmi tous nos compagnons qu'on a eus?
Fleur sauvage, Zou aussi. Ouais. Entre autres. T'as pas dit étoile de l'aube. Oh, je suis choquée. Bah, elle est sympa. Après, elle a pas une histoire quelque part exceptionnelle comme, comme là, en fait, un peu Fleur sauvage et Zou. Ouais. Après, elle est sympa quand même. Hein. Ouais. Mais les personnages... On peut annuler sa romance, hein, si tu veux. J'ai pas dit ça. Mais les histoires qui m'ont le plus marqué, c'est celle de Fleur sauvage et d'Azou, notamment. D'accord. Après, honnêtement, Kang est énorme. Oui. Notre cher Soumi, je dois dire que sa femme, le tire en laisse, c'est magnifique. Oui. Et Tornade noire. Ah, Tornade noire, j'ai envie de l'emplâtrer. C'est toujours moi-je, et ça va, ouais. On va te sauver, il faut nous la paix, quoi. Un compagnon que j'ai bien aimé aussi, c'était l'abbé Song. J'étais contente oui. de le rencontrer, quand même. Qu'est-ce qui était efficace en soins ? Pas seulement en soins, il rapportait du chi. En fait, il augmentait tout. En soutien. Ouais, en soutien. Ouais. Bon, ben, on peut y aller. T'es prête pour sauver l'Empire, quoi ? Pourquoi non ? L'esprit de contradiction, bien sûr. Toi, t'as peur que je fasse la fin dégueulasse. Tu vas pas faire la fin dégueulasse. Bien le bonjour. Je crois que la libellule céleste est prête. Plus la peine de se soucier de l'atterrissage à présent. On peut se cracher ? Assurez-vous d'avoir parlé à tout le monde. J'ai perdu le déflecteur acoustique. Aussi n'entendrez-vous plus rien une fois que nous aurons décollé. Je voulais vous parler. Vous savez, j'ai toujours tendance à rendre un problème plus compliqué. Si, ne me dites pas le contraire. Ce ne sont pas mes marmonnements qui vont vous aider. Et puis, les décisions qui doivent être prises me dépassent complètement. Vous décidez de l'avenir d'un empire. Moi, quand je fais une erreur, ça fait un cratère. Un cratère de la taille de l'empire. Ça vous dirait ? Non. On a parlé à tout le monde, hein. Oui. Je suis prêt à y aller. Faites venir tout le monde à l'aéronef. Oh, je crois qu'ils savent que vous êtes prêts. Tous les yeux sont rivés sur vous, dans tout l'Empire, je crois. Nous allons voir si vous êtes dignes de leur regard, hein. Fous-moi la pression, allez, je te dirai. Tout le monde à bord. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Allez, on prend la libellule céleste et on y va. Aïe. Et c'est plus espacé que ce que je pensais dans la libellule céleste. Par contre, il y a peut-être plus de levier que dans un avion. Par contre, Tornade noire, je sais pas comment il fait pour rentrer là-dedans. Baisse la tête, il rentre les haches. On est vraiment attendu, hein. Sinon il nous aurait tiré dessus, je pense. Ouais. Ou alors on avait toujours les trucs impériaux, tu sais, les drapeaux impériaux. Peut-être. Bon, nous y revoilà. J'espérais ne pas devoir emprunter cette entrée une nouvelle fois. Je comprends, princesse. Je doute que cette visite soit moins violente que la précédente. Sans blague. Alors, là deux, on oublie. Ne baissez pas votre garde, ce ne sera pas aussi facile que la dernière fois. Ming, tu es sérieux ? C'était pas facile, hein, la dernière fois. Légèrement défaitiste, le garçon. Hein, vous trouvez que la dernière visite a été une partie de campagne ? Ça risque d'être encore plus drôle que je l'imaginais. Je reste ici, pour des raisons de sûreté. Quelle révélation étonnante de la part de Kang. J'imagine qu'il y aura suffisamment de chaos pour se passer de vos... talents. Oh, les deux cousines qui s'y mettent. Les deux cousines qui s'y mettent, ça m'a trop tué. La route va être divisée. Une puissante présence s'est réveillée, dont nous devons respecter la volonté. Est-ce l'esprit du dragon de l'eau ? Oh,
Ce chemin est celui, non du danger, mais de l'illumination. Il y a quelque chose que vous devez voir. Fais confiance à sa voix. Nous devons nous frayer un chemin dans la corruption de Maître Li. Faites confiance à vos yeux. Les voix peuvent venir de n'importe où. Quoi qu'on décide de faire, il faut agir sans tarder. Soyez sans crainte, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise cette fois. J'aime bien le « cette fois ». Cette fois. Ouais. Ça va chauffer, je le sens. Oui, c'est sûr que t'en sais quelque chose, toi, que tu vas rester ici. Prépare la libellule, on sait jamais. Et on a Étoile de l'Aube avec nous. Donc, je pense que c'est... Oui, il faut l'emmener voir Maître Li, quoi, pour qu'elle se rende compte de sa corruption et tout ça, parce que... Bon, ouais. Elle est concernée quelque part, donc bon... Totalement. Allez, on y va. Il y a des trucs pour soigner, forcément. Mais les chiens ne sont plus là. Par contre, ils nous envoient les assassins du Lotus. Ah bah sinon, ça serait pas drôle, quand même. Allez, messieurs, dégagez. Oh, mais vous êtes nombreux, en plus, hein. J'avais pas remarqué ça, moi. Bah, c'est pour te donner un peu de challenge, voyons, mon enfant. Écoutez, j'ai affronté des démons qui étaient pires que vous. Donc, allez vous faire voir. Je me suis affronté moi-même en 3 exemplaires. Vous n'êtes que de la gueule. Eh, arrêtez de me bolosser, s'il vous plaît. Oh oui, quand même. Parce que vous êtes de la gnognotte, mais faites un effort. Oh la vache, qu'est-ce que c'était que ça? Oh la désorientation, je peux plus rien faire. Je peux pas esquiver ni rien. C'est bon, je peux taper là ou bien... Allez, empoisonnement. Mais vous avez fini de me lancer, ceci dit, je peux esquiver le mec en tout temps. C'est déjà ça. Mais... Oh, mais... Ça suffit! Je vous demande de vous arrêter! Voilà! On se calme! Je vous demande de vous arrêter! Bon, maintenant, on va se soigner. Merci d'avoir posé ça. On y va. J'espère que, par contre, qu'on se démerdera un peu mieux avec Maître Li. J'espère. Mais oui. Bon, tant pis, on n'a pas besoin de ça. On est de retour devant l'ascenseur. On sauvegarde. Et on va buter tout le monde. Vous voici. Le destin a voulu que cet instant arrive, mais à présent, c'est à vous seul de prendre les décisions. Votre maître vous attend, mais il n'a pas encore atteint la transcendance. Il vous reste le temps de faire tourner les choses en votre faveur. C'est le moment de nous guider tous vers la renaissance. Apprenez ce qui est arrivé auparavant pour comprendre ce qui doit être accompli. Creusez en profondeur pour savoir ce qui a été fait par ceux avides de mon pouvoir. Les esprits en savent long, mais quand il s'agit d'attaquer une forteresse, il n'y a plus personne. Suivez-le et prenez quelqu'un avec vous. Mais quel que soit ce que vous laisserez derrière, il faudra qu'il prenne un chemin différent. Comme ça, personne ne se marchera sur les pieds et on aura tous droit à notre part de castagne. Tu penses que ça... Vous ne connaissez pas le palais. Vous allez vous perdre. J'ai l'habitude de me perdre, mais je retrouve toujours mon chemin. En plus, on est déjà venu ici. Ça veut dire que t'as ta mémoire ? Je suis pas sûre. c'est discuté, faites de votre mieux pour retrouver votre chemin. Très bien, que tout le monde se rassemble devant la salle du trône. Je sais pas laquelle prendre. La première, j'aime pas trop. Je préfère la deux. Okay. Se battre au cœur du palais. Voilà. Jamais je n'aurais imaginé y mettre les pieds, voilà que j'y suis pour la deuxième fois.
Moi aussi. Je m'en serais bien passé, mais nous n'avons pas le choix. Ouais, je m'en serais passé aussi, étoile de l'aube. C'est bizarre et mystérieux, hein, ce palais, hein, n'empêche. Ouais. Les tombeaux des plus grands empereurs. L'Empire a été construit ici, et c'est ici que son cœur repose. Mais à l'image d'un autre cœur, celui-ci est désormais déchiré. Il a été arraché pour permettre l'écoulement, pour guider cette eau qui, en jaillissant, fait affront au royaume céleste et à l'ordre des choses. Quelle honte! Cela s'est produit après que Maître Li a fui l'empereur, mais il devait savoir que ce serait nécessaire. Quel espoir reste-t-il pour le futur si le passé est ainsi foulé aux pieds? Pourquoi a-t-on fait ça? D'où provient cette eau? L'empereur Sun n'a pas accepté que son empire décline afin qu'un autre naisse. Il est parti en guerre contre la sécheresse comme si c'était une armée en marche. Le glorieux stratège et lui m'ont prise pour unique cible, moi, le dragon de l'eau. Je représentais la déchéance qu'ils voulaient éviter et le renouveau dont ils avaient désespérément besoin. Je suis devenue la réponse à tout. Allez plus avant et vous saurez d'où l'empire des frères Sun tire sa prospérité. Vous devez le voir de vos propres yeux pour comprendre ce qu'ils ont fait.